Et les amis, c'est Mir de Game Village, j'espère que vous allez bien. Je le sais, vous le savez, la sortie de Halo Infinite est imminente, ça arrive le 8 décembre, et je me devais de vous reproposer un nouveau montage de Halo 5 Guardians, puisque c'était le seul volet que je n'avais pas refait depuis le remaster de Halo, avec The Master Chief Collection, vous vous souvenez, que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans son intégralité avec cette superbe playlist qui a été faite pour vous faciliter la vie. Vous avez tous les épisodes de la franchise Halo, voilà, c'est là, en haut à droite. Alors ce nouveau montage de Halo 5 Guardians a été fait sur Series X et je vous le propose en 4K 60fps. A noter que Halo 5 ainsi que The Master Chief Collection sont dispo avec l'abonnement Game Pass. Allez, fini la parlotte, place au jeu, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage et si ça vous plaît, n'oubliez pas d'acheter le jeu. Bisous! Spartan Locke. J'ai passé assez de temps au sein de l'ONI pour savoir à quoi m'attendre. Quand ce sera fini, après tout ce que j'ai fait, ils vous donneront l'ordre de nous tuer. Équipe Osiris, au cours des 72 dernières heures, 5 colonies ont été touchées par des incidents similaires. Destruction massive d'origine Forerunner. Le docteur Catherine Elisabeth Halsey a réussi à nous contacter. Elle dit détenir des informations sur ces attaques. Halsey est actuellement détenue par les Covenants sur la planète Kamchatka. Votre mission est de franchir les lignes ennemies, récupérer Halsey et la ramener sur l'Infinity. Une dernière chose, Halsey est accompagné par le chef suprême des Covenants, Julem Dama. Si l'occasion se présente... Entendu, commandant. Bonne chance, Spartan Locke. Infinity terminé. Pistage activé. Affirmatif. Hey, avant qu'on fasse le grand saut, quelqu'un veut dire un truc? Si Dieu perçoit ma peur de là-haut, il est sans doute pas le seul. Locke, tu paieras de ta tournée quand on aura terminé? Ta soif, tu paies. Équipe Osiris, on a le feu vert. Contact!
On bouge. Vale, surveille les ondes. Affirmative. Buck, Tanaka, montez la garde. Ok. Ok. Alcée et Ndama sont planqués devant, dans une structure fort bonheur. Voilà l'objectif. C'est Alcée qui nous a appelés ? Elle a dit qu'il se préparait quelque chose d'important, et a transmis ses coordonnées au capitaine Askey. Ça doit être important. Ou alors c'est un piège. Des soldats fort honneur ! Sur la falaise, traquez-les ! Les soldats se sont téléportés à travers la glace. Des Prométhéens partout! On peut charger au centre, mais ce sera risqué. Mieux vaut les prendre par le flanc. Formation tactique, chaque balle. Depuis quand le docteur Alcée a perdu son bras gauche ? 7 joules. Quand et pourquoi, je l'ignore. Heureusement qu'il n'était pas énervé. Sinon, c'est sa tête qui l'aurait coupé. La porte est bien fermée. Une station de sécurité Forerunner, sûrement en bouclage. Un moyen de la lever ? L'Artemis peut analyser les systèmes Forerunner. Il y a peut-être un moyen d'ouvrir cette porte. L'Artemis ? Encore un gadget de l'ONI ? En quelque sorte. J'ai convaincu le commandant Palmer de nous fournir des prototypes. Voyons, ça devrait le faire. C'est ouvert. L'Artemis a marché. Locke, écoute un peu ça. On donne l'assaut sur l'arrière du temple. Sortez, Kraken. Voilà le Kraken. Tenez vos positions. Gagnez du temps. Jules sait plus quoi faire. Dis-moi où t'as appris à parler Sangeli, Vale. Quand j'étais gamine, je me suis retrouvée coincée à bord d'une navette diplomatique. 6 longs mois à dériver, perdu au beau milieu de l'espace. Alors j'en ai profité pour apprendre. Notre objectif est de l'autre côté de ce champ de bataille. Attention, Kraken! Les Covenants essaient de s'en servir pour forcer les lignes prométhéennes. J'aimerais pas être coincé entre les deux. En direction d'Alcée. L'autorité de M'Dama a dû en prendre un coup quand les Prométhéens se sont retournés contre lui. Lui qui avait joué la carte du prophète Forerunner. Jule M'Dama est un opportuniste, pas un meneur. Sa vision du Covenant était condamnée à péricliter depuis le début. S'il avait pu péricliter plus vite, ça aurait pas été... Chevalier,
C'est le dernier modèle, comme ce signalé sur Ovan. Son armure est endommagée. Feu ! Je vais être éliminé. Ne les laissez pas atteindre Alcée. Il nous la faut vivant. On y est presque. Continuez comme ça, Osiris. À plusieurs. Souhaiteriez-vous qu'on débatte des subtilités de la reconstruction temporelle ? Les humains et leur sarcasme. Au moins, vous aurais-je appris quelque chose, Joe. Vous prétendez pouvoir accéder En effet. Toutefois, je n'ai jamais prétendu que je pouvais y accéder instantanément. Votre sécurité est menacée. Il faut prendre une décision. Et vite. Vous feriez bien de vous témoigner le respect dû à la main du didacte. On dirait bien que vos doigts font de la résistance très honorablement. Assez ! Salut, beauté. Remettez-vous au travail. Cible en vue. Ses coordonnées sont très insuffisantes. Dès qu'elle enverra une autre transmission, il faudra triompher. Ça suffit, docteur ! Ça fait des semaines que vous courez après un fantôme sans aucun résultat. Lasky voudrait vous parler. Il vous en aura fallu du temps. Équipe Osiris, vous pouvez atterrir à l'aire d'amarrage numéro 11. Capitaine Lasky, j'ai envoyé mes coordonnées il y a 3 semaines. Je vous avais prévenu. Nous en discuterons en privé, docteur. Palmer. Qu'a-t-elle fait au juste ? Mais elle est allée jusqu'où ? Bien joué, Osiris. Qu'est-ce que vous dites de ça ? Le Major s'agitait comme ça depuis qu'on a fait nos classes. Tout ira bien, Fred. J'en doute. Le surmenage, c'est pas bon. Sierra 117 à l'Infinity. L'équipe bleue a localisé l'Argent Moon. Il y a une présence ennemie à bord, mais il n'a pas bougé. Bien reçu, 117. Éliminez tous les ennemis et sécurisez l'Argent Moon. Déploiement autorisé. Affirmatif, Infinity. 117 terminé. Ça va aller. Équipe bleue, en avant. Les Hougoïs nous résistent. Ben tant pis, débarrassez-vous d'eux.
Chichikov contracté. Remise en pression des secteurs affectés, terminée. Qu'est-ce qu'on sait sur Argent Moon? L'ONI fait des recherches. Aucun signe de vie en 19 mois. La semaine dernière, des charnières qui hier l'ont trouvée et vendue aux hommes de Joel Mdama. On tue tous les covenants et on rend la station à l'ONI. Le plus simple serait de reprendre le poste de contrôle central. On élimine les ennemis sur notre route et on désactive les systèmes de gravité et de survie. Le centre de données est droit devant. On y trouvera les plans de l'Argent Moon. Ils travaillaient sur les plans d'un nouveau vaisseau furtif. Ils ont perdu des années de recherche avec cette station. Pourquoi est-ce qu'on stoppe le téléchargement? C'est vraiment nul! Oh, ça prend des plombes! Je préférerais tailler du verre, j'adore! Ennemi en vue! Centre de données. On a un jeu complet de clés de sécurité pour la station. On devrait pouvoir trouver les plans de l'Argent Moon et un passage jusqu'au poste de contrôle central. Accès aux données autorisé. J'ai accès aux banques de données. Prends les données et la carte des affectations. Le hangar d'assemblage droit devant nous mènera au poste de contrôle central. Il reste encore des rôdeurs dans les hangars. Aucun membre de l'ONI n'a survécu, j'imagine. Non. On y va. Un ascenseur. Le poste de contrôle central est au bout de son hangar. Tout a l'air en vrac. Ils récupèrent des pièces sur ce vaisseau expérimental. Des charognards, ils font main basse sur tout ce qu'ils trouvent. La guerre de l'Alliance Covenant contre l'Arbiter doit mal se passer. Joel Mdama est beaucoup de choses, mais ce n'est pas un prophète. Chasseur. Équipe bleue au rapport. Sierra 117 à équipe bleue au rapport. Sierra 117, vous me recevez ? Le domaine est ouvert. Prochaine étape, Méridian. Cortana. John, la reconquête va commencer. Elle est sur Méridian. Qui ? Cortana. C'est impossible. Je croyais qu'elle avait disparu. Je l'ai regardée mourir. Bref, la mission avant tout. On en parlera plus tard. Lumière. Frédéric, indique-nous le poste de contrôle central.
Affichage des plans. Il y a un ascenseur en état de marche, mais il se trouve 4 étages plus bas. Guide-nous. En vue. Les cibles s'enfuient. Fais-leur la route, Rina. Des chasseurs, ils sont juste derrière nous. La moitié des Covenants vont nous rapprocher. Alors tant pis pour le poste de contrôle central. On passe à l'opération sabotage et on évacue l'Argent Moon. Le cœur du réacteur dans les barrages. Même tactique que pour le Perpetual Devotion. On provoque une surcharge et on évacue. Le bâtiment explose et détruit tous les vaisseaux alentour. Niveau d'accréditation accepté. Il est question de Julem Dama sur les ondes Covenantes. Les nouveaux venus prétendent qu'il est mort. Quelqu'un a tranché la tête de l'Alliance. Bravo. Des chasseurs. Ils sont forts mais lents. Utilisez l'équipement du labo pour rester en hauteur. Feu à volonté. L'accès à la salle du réacteur passe par ce labo. Passage vers le réacteur en dessous. Système de ventilation désactivé. La salle du réacteur est droit devant. On allume la mèche et on se casse. Les Covenantes n'en profiteront pas. Ok, on y va. Les commandes du réacteur sont de l'autre côté de la salle. Éliminons les forces Covenantes pour atteindre le panneau de commande. Secteur dégagé, surcharge engagée. C'est bon, le réacteur est en surcharge. Direction les hangars. Protocole de confinement enclenché. Confinement ? La station va tenter de refroidir le réacteur. On dirait que les systèmes de sécurité de l'UNSC sont plus fiables que ceux des Covenantes. On peut y remédier. Montez sur le réacteur. T'es sérieux, là ? S'il est éjecté, on part avec. Chambre de refroidissement opérationnelle. Évacuez le hangar de déploiement. Du liquide de refroidissement va être injecté dans le réacteur. Si le liquide de refroidissement fonctionne, notre plan tombe à l'eau. C'est dommage de sacrifier l'Argent Moon.
Mais j'adorerais voir la tête que feront les Covenants quand la station explosera. Comment on l'arrête? Il y a des boîtiers de part et d'autre de la chambre de refroidissement. Il faut les trouver. Trouvons les boîtiers et désactivons le système de refroidissement. Évacue, équipe bleue. Les Banshees ne sont pas assez rapides pour échapper à l'explosion. J'appelle un Vélican. Le pilotage automatique ne répond plus. L'armada a dû le désactiver. Frédéric, guide-nous vers le hangar le plus proche. On prend un rôdeur. Voilà l'entrée du hangar. Le rôdeur est là, de l'autre côté du sas. Cette station va exploser. Au rôdeur, vite! Voilà le rôdeur. D'autres Covenants? Tuez-les, soyez prêts à décoller. Faites vite. Je préférerais être loin d'ici quand la station explosera. Veuillez gagner les véhicules de sauvetage immédiatement. RAS. Combien de temps? 89 secondes. Sierra 117 à Infinity. L'argent de Moon a filé. Je réaffecte l'équipe bleue. Destination Méridiane. On a reçu une transmission de Cortana. Négatif 117. Une autre équipe est en partance pour s'occuper d'elle. C'est quoi ce bordel? Vous avez ordre de regagner l'Infinity. Négatif Infinity. J'aime pas ça. Qui que ce soit, il faut qu'on rallie Méridiane avant eux. Kelly, non. Rien ne vous oblige à agir seul, Major. On va pas tout se passer en cour martiale, si? J'ai pourtant essayé de vous prévenir. Cortana a échappé à notre contrôle, capitaine. Elle est dangereuse.
Elle a accès au domaine Forerunner, un réseau d'une taille galactique. Cortana est en qui vie. Qui lui permet de contrôler les dispositifs qui ont fait tant de dégâts. Mais comment est-ce... Le Major pense qu'elle a essayé de le contacter. Quoi? Non. John ne doit pas lui parler. Et il est parti à sa recherche. Et vous l'avez laissé faire. Mais comment est-ce que... Le Major ne reçoit d'ordre de personne. Il n'en fait qu'à sa tête. Jusqu'à 6h31 ce matin, quand on l'a déclaré absent sans permission. La question, ce n'est pas le Major. John n'est pas psychologiquement préparé à la considérer comme une menace. Hé hey! Y en a un qui va m'écouter? Vous exagérez, Roland. Oui, monsieur. Mais je ne suis pas le seul. Vous avez créé Cortana, Doc. Et vous signez son arrêt de mort avec ses accusations. Roland. Vous croyez qu'elle a poussé le Major à abandonner son poste? Et qu'aurait-elle à y gagner? Pourquoi est-ce Cortana le problème? Parce qu'elle a refusé de mourir alors qu'elle aurait dû? T'approuves cette opération? C'est pas une cible ordinaire. Je me contente de suivre les ordres qu'on me donne, Buck. Ouais. Parle pour toi. J'adore le boulot d'ASCO. Droit au but, les magouilles. Moi, ça m'écœure. Et comment on est censé les mater? En demandant avec politesse? Non. C'est quoi? Un saboteur d'armure. Un court-circuit et le tour est joué. Locke. Les autres Spartans. Tous les soldats, quand ils vont apprendre ça, ils vont nous haïr. T'en as conscience? Tu n'es pas le seul à être ici à cause de lui. Aujourd'hui, elle est aux mains d'une entreprise privée. Il la dévitrifie peu à peu pour la rendre habitable. Pourquoi fait-on un tel détour? Question de politesse. J'ai grandi sur une colonie indépendante comme Meridian. Les gens n'aiment pas que l'UNSC atterrisse en pleine ville. Ils voient ça comme un acte d'agression. En parlant d'acte d'agression... Là, les vaisseaux Forerunner. Mais qu'est-ce que les Forerunner font ici? On n'est peut-être pas les seuls à être ici pour chercher le Major. Vous dans l'ascenseur, qui que vous soyez, identifiez-vous immédiatement. Ici le Spartan Jameson Locke, de l'UNSC. Vous n'êtes qu'une bande de soudards. À qui ai-je l'honneur? Ici le gouverneur Sloan, et vous pouvez aller vous. Il a pas l'air ravi de nous voir. Tant pis, il devra s'y faire. Spartan? Mais qu'est-ce qu'il fabrique ici? Qu'est-ce qui se passe? La station Meridian est assiégée. Sloan essaie d'organiser les défenses, mais... J'ai de la famille là-bas. Ils ne sont pas armés. Osiris, les habitants de Meridian ont besoin de nous. C'est quoi ces choses? Je vous Quelqu'un a des problèmes de la station à bouger. Qu'est-ce qui se passe? La station est assiégée. Le gouverneur Sloan contrôle la situation. Contrôle de Meridian, ouvrez-nous les portes de l'ascenseur orbital immédiatement. Mais l'invasion! Ouvrez les portes et on vous aidera. Bon sang, Kyle, réagis! Ok, c'est parti! La base est bouclée, on est coincé! Il doit y avoir un moyen de couper le système de sécurité. Ouais, on élimine la menace et finit le bouclage. Concitoyens de Meridian, battez-vous et défendez votre planète contre les agresseurs. Contrôle de l'ascenseur, activez-moi ces tourelles automatisées. On essaie, gouverneur. La porte de la tour est bloquée. Les
tourelle automatisée? Ça pourrait être aussi. C'est bon. Spartan, c'est vous qui avez fait ça. On a juste donné un coup de main, gouverneur. Remerciez plutôt vos hommes. Gouverneur Sloane, j'aurais aimé pouvoir vous parler. Venez en ville, nous parlerons. J'espère pour vous que vous saurez vous tenir. On sera bientôt là. Tanaka, à quel genre d'accueil on peut s'attendre par ici? Dans une colonie frontière comme celle-ci? Ils vont nous jeter des cailloux? La meilleure solution est encore de faire profil bas. Si des personnes ont besoin d'aide, occupez-vous d'elles. Vous savez une grande famille. C'est ça le gouverneur Sloane. Bien. Sachez également que les troupes de l'UNSC nous ont apporté une aide inattendue. Ces soldats sont ici avec ma permission. Et ils ont sauvé de nombreuses vies. Ils repartiront dès que possible. Mais d'ici là, je veux que vous les traitiez comme des employés de Landormund. Toute malveillance à leur égard sera sanctionnée. Est-ce que c'est compris? Ça ne va pas avoir bon goût de lécher les bottes de l'UNSC. C'est une IA. Elle a pas l'air en forme. Elle est cassée? Elle présente les premiers signes de la frénésie. À ce stade avancé, elle donne sans doute priorité à ses cycles logiques. Je vous accueille chez moi. La moindre des politesses de votre part serait de ne pas discuter de mon état, vous ne pensez pas? Bien sûr, gouverneur. Toutes mes excuses. Nous cherchons une autre équipe d'intervention spartane. Pourquoi tant de Spartans ici? Et pourquoi maintenant? J'ignore si d'autres agents de l'UNSC sont parmi nous en ce moment, mais vous avez aidé mon peuple jusqu'ici. Faites vos recherches, mais rapidement. Gouverneur Sloane, terminé. Alors par où on commence? Dans ce genre d'endroit, les meilleurs renseignements s'obtiennent auprès des habitants. Écoutez les colons. La fièvre. Je manque toujours d'antalgique. Ed, il s'est passé quoi à la tour de Com? On recevait une transmission, un signal de détresse. Mais après, un incendie a ravagé la tour. Ok, Ed, du calme. Les antalgiques vont bientôt faire effet. Les gars hurlaient que des trucs sortaient des grottes. Puis on a entendu crier, et puis... plus rien. Tu as entendu autre chose? D'autres transmissions? Non, rien d'autre. Le signal s'est interrompu. On pouvait plus émettre. La fumée était partout. Tout va bien. Le gouverneur Sloane va s'occuper de tout. Nous pouvons peut-être vous aider. D'où provenait cette transmission? J'y crois pas. L'UNSC daigne s'intéresser à nos problèmes. Vous savez quoi? Nos soldats d'Apogée sont bien assez forts. N'imaginez pas que vous allez ramasser les miettes, sale vautour. Qu'est-ce qu'il a dit? Apogée? Voilà notre destination. Surveillez les patients. Ça marchera sur les purificateurs. Il nous faudrait un spécialiste en métaux. Tu étais avec quelqu'un à l'avant-poste? Non, j'ai entendu qu'on nous attaquait ici. Alors j'ai pris une mongoose. Au moment de partir, j'ai vu ce vaisseau aller dans l'autre direction, en Razmot. Il allait où? Vers la station. Et il avait l'air très pressé. Vous avez vu un vaisseau? Il était reconnaissable? Qu'est-ce qu'on en a à faire de l'UNSC? C'est pas mon problème si vos potes vous ont pas dit où ils se sont garés. Faudrait voir à synchroniser vos zones de largage, les gars. Vous avez entendu? C'était peut-être un vaisseau de l'UNSC. Récapitulons. Apogée est attaquée et un vaisseau de l'UNSC se rend là-bas. Trouvons un terminal réseau. Je veux en savoir plus sur la station Apogée. L'Artemis devrait pouvoir localiser un terminal réseau. Consulte-le. Accès au terminal.
Je ne crois pas vous avoir autorisé à fouiner partout. Vos colons ont vu un vaisseau de l'UNSC près de la station Apogée. L'UNSC dans Apogée? Qu'est-ce que vous fichez partout sur ma planète? C'est bien la question que nous voulons leur poser, si vous y consentez. Il y a un pélican de fret sur l'aire d'atterrissage de cette station. C'est le moyen le plus rapide de rejoindre Apogée. Nous n'oublierons pas votre aide. J'espère bien. On dirait qu'on a une escorte. Le contraire m'aurait étonné. Sloane ne doit pas trop aimer que l'UNSC vienne ici. Bien vu, ma petite dame. Mon équipe va s'assurer que tout se déroule bien pendant vos recherches. Rien de personnel, Spartan. Aucun problème, gouverneur. On vous fichera la paix dès qu'on aura atteint notre objectif. C'est pas vrai! Ils sont ici aussi? Ouvrez le feu! Tirez sur tout ce qui bouge! Des Prométhéens! Nettoyez la zone! Les hommes de Sloane savent se battre, mais c'est pas leur boulot! Éliminez les Prométhéens! Je veux voir ce rôdeur de plus près! Il a appelé une sentinelle! C'est bon. C'est bizarre que l'équipe bleue ait laissé son rôdeur en plan comme ça. Il devait avoir une bonne raison. Le journal du véhicule nous aidera peut-être. Je veux un scan. J'ai trouvé un point d'accès. Regardez ça. On dirait une carte de la station Apogée. Elle s'enfonce dans la montagne. Le tracé depuis la porte extérieure va aux mines. Gouverneur Sloane. Spartan Locke. On cherche un accès à la mine près de notre position. Vous pensez y trouver votre soldat? Ça m'étonnerait. Je vous demande poliment de nous donner accès à vos installations, gouverneur. Bon, je vous ouvre la porte. Faites attention à vous là-dedans. Je ne vois rien qui indique que l'équipe bleue se soit battue par ici. Ils auraient trouvé une autre entrée? Je parie que les Prométhéens les ont laissés tranquilles. Attends, ça n'a aucun sens. Il faut parfois savoir accepter les faits sans les comprendre. On a un truc ici. Ça ressemble beaucoup à un monitor. Ils communiquent pas. Et ils ont pas l'air de s'intéresser à nous. On avance. Mais on les perd pas de vue. On ne peut pas dire que les Forerunner manquaient de style. On dirait qu'il faut descendre. Regardez ce truc. Enregistré. On regardera en détail plus tard. Spartan, je prends votre signal. Gouverneur? Enfin seul. Cet endroit est immense. Pourquoi est-ce que Sloane n'a jamais mentionné cette découverte? Ah, c'est pas vrai. Tanaka? J'ai compris. Buck disait que l'équipe bleue n'avait pas combattu les Prométhéens. Elle n'a pas eu à convaincre Sloane non plus. Tu crois que Sloane les a laissés entrer ici? Oui, c'est une possibilité. Une possibilité, mais pas une certitude. Si Sloane cache quelque chose, on le fera parler quand on aura fini d'enquêter sur la structure. Servir. C'était quoi? Et si on allait voir? On va se faire plomber ici. Il a raison. On y va!
votre présence dans l'antre du gardien n'est pas la bienvenue. Êtes-vous le gardien ? Je suis le veilleur éternel. Je suis au service de Cortana. Cortana ? Les autres humains sont autorisés à rester. Hélas, vous ne l'êtes pas. On dirait une menace. Évacuez les lieux, immédiatement. Ouais, c'était clairement une menace. C'est quoi ça ? D'où il sort ? Ça m'a chauffé. Ripostez aux Osiris. Elle n'a pas besoin de vous pour son plan. Partez, et vous serez épargnés. Protégeait ce qui se trouve derrière ces portes. Il l'a appelé le gardien. Je ne sais pas comment, mais Cortana est connectée à ce gardien. Ça en fait l'objectif le plus probable du Major. Si on le trouve, il ne sera pas loin. On y va. D'après le veilleur, Cortana les appelle auprès d'elle. Elle n'est pas ici. Grand, pas vrai? J'imagine que c'est ça le gardien. Heureusement que t'es là, Buck. Par ici! Restez où vous êtes. Repos. Major, vous avez abandonné votre poste. C'est votre seule et unique chance de revenir sain et sauf. Équipe bleue, ne bougez pas. J'ai un boulot à finir. On va s'occuper de Cortana, Major. Certainement pas.
Merde. Les autres colonies dont nous a parlé le capitaine Lasky, c'est ça qui leur est arrivé. Locke, cette colonie sera bientôt un immense cratère. On peut pas prendre d'aéronef à ces gens. Notre pélican dans l'ascenseur orbital, c'est ça la solution. Les autres colonies, il y a d'autres gardiens. Concentre-toi sur celui qui est juste sous notre nez, Vale. Mais pourquoi celui-ci? Pourquoi le Major est sur ce gardien? Je crois que c'est le premier que Cortana ait volontairement activé. Trouve-moi d'autres cibles. On les a tous eus. Ici le gouverneur Sloan émettant sur toutes les fréquences. À tous les habitants, si vous êtes toujours sur la planète, rendez-vous immédiatement à l'ascenseur orbital. Les dernières navettes vont bientôt partir. Avec ou sans vous. Gouverneur Sloan, navette Bravo 3, parée au décollage. Attention, ils sont à nos trousses. Soldats éliminés. Il aurait pu être chanteur d'opéra, ce gardien. On peut activer le pilote automatique pour que le pélican vienne nous extraire. Mayday! Mayday! On nous tire dessus! On est touchés! Pas avec ces vaisseaux qui descendent tout ce qui bouge. L'ascenseur s'ouvre. Spartan, je dois avouer que je suis impressionné par votre ténacité. Quand est-ce que Cortana vous a parlé du gardien? Jeune... très perspicace. Oui, c'est vrai, elle m'a averti de ce qui allait se passer. Elle m'a autorisé à aider mon peuple à survivre. Un immense bouleversement arrive, pour nous tous. Humains, mais aussi entités. Elle prépare une nouvelle ère. Et j'entends bien enfin partir. Bien, je dois partir. Bonne chance à tous. Et au revoir. Il bloque l'accès au pélican. Feu à volonté. Allez, les Spartans prennent des risques pour protéger. Tanaka, désactive la sécurité. J'aimerais bien, mais c'est pas vraiment facile quand on tire dessus. Défendons notre ingé pendant qu'elle travaille. C'est bon. D'après Sloan, un bouleversement s'amorce et Cortana l'a contacté. Elle aussi est sur le gardien? C'est ce que le Major avait l'air de croire. Alors si c'est bien le cas, où vont-ils? On le saura une fois dans le pélican. Je comprends que le Major ait transgressé les ordres pour trouver Cortana. Mais le reste de l'équipe bleue, il la connaissait pas. Les membres de l'équipe bleue ont grandi ensemble au sein du programme Spartan 2. Ils ont participé à plus d'opérations que n'importe quel autre escadron de l'UNSC. Ils forment une famille. Exactement.
Exactement comme la nouvelle Alexandrie. On éventre la Terre, on réveille quelque chose qui y dormait. Et tout ça pourquoi? Pouvoir fuir? Tout laisser derrière? Il y a une différence entre fuir ou vivre et se battre un jour de plus. Tanaka a raison. C'est quand elle est acculée que l'humanité a le plus de ressources. On est tenace. On reconstruit autant de fois que c'est nécessaire. Alors, est-ce que quelqu'un me reçoit? Je suis à la station Meridian. Il y a des morts partout. Le gouverneur Sloan n'est plus là. S'il vous plaît, est-ce que je suis vraiment toute seule ici? Sloan est parti en abandonnant son peuple? Si c'est vraiment Cortana qui a activé ce gardien, c'est plutôt elle la responsable. On va découvrir ce qui s'est passé ici. Et on va s'assurer que les responsables répondent de leurs actes. Attention! Entre Prometheus! Ça veut dire quoi? C'est peut-être une sorte de signal pour déclencher quelque chose. Transport 3 au groupe. Attention, ce truc commence à bouger. Je sais pas ce qui se passe. Attendez, ça vient de s'arrêter. Bon sang, sortez de là! À couvert! Tout le monde va bien? Il s'est passé quoi? Le frein électronique de l'ascenseur a évité le pire, mais pas pour longtemps. Tu crois qu'on pourrait escalader la structure sans danger? En tout cas, si elle s'effondre, ce sera pas à cause des acrobaties des Spartans. Le Pélican est à quelques super plateformes d'ici. C'est loin, ça? C'est pas la porte à côté, mais ça reste jouable. Des phaétons nous allument! Ne restez pas là! Est juste là. On embarque, les gars. Les ondes de choc se rapprochent. On dirait un coup. Qu'est-ce qui se passe quand ça arrive à zéro? Je vais pas rester là pour le savoir. Tous dans le Pélican. Tout le monde à bord, maintenant. Depuis celui de Meridian, 11 colonies ont été touchées. Il faut que ça cesse, maintenant. Le Veilleur a confirmé la théorie du Dr. Halsey. Cortana est en train d'activer les gardiens. Mais pas celui-ci. Pas pour l'instant. Sanayon. Un site religieux pré-covenant sur Sangelios. Il y a un gardien sur la planète des élites? Si on déploie une équipe au sol, nous aurons accès à ce gardien.
Sangelios est chasse gardée. L'état-major refuse de se mêler à la guerre de l'Arbiteur. Ça, c'est parce qu'ils ne connaissent pas encore le plan que j'ai mis au point. Ce bruit est un signal numérique codé. C'est de la téléportation quantique. Les coordonnées spatio-temporelles d'une carte Forerunner. Si l'équipe de Locke transfère les coordonnées extraites sur Meridian au gardien, il les mènera directement jusqu'à Cortana et au Major. Tom, on peut arrêter ça. Mais ça implique d'aller sur Sangelios. Je vais arranger ça. En voilà un autre. Major, qu'est-ce que fabrique Cortana ? Pourquoi nous avoir amenés ici ? On continue. On est où ? Silence radio sur toutes les ondes. Je n'ai aucune liaison distante. Bref, on est au milieu de nulle part. On nous a pas fait venir ici par hasard. Cherchons par là. La console s'est allumée à mon approche. C'était quoi, ça ? Ça venait de la console. Ça fait combien d'années qu'on n'a pas utilisé ce signal ? Cortana. Cortana, vous me recevez ? Pas de réponse. C'est quoi cet endroit ? Une planète Forerunner. On n'en sait pas plus. Où qu'on soit, c'est Cortana qui nous a fait venir. Elle est quelque part dans le coin. Major, souviens-toi de Meridian. Ça a été un vrai massacre. Et il y avait des civils. Je sais. Elle ne savait peut-être pas ce qui allait se passer. Et si elle l'avait su ? Il faut d'abord la trouver si on veut en savoir plus. Cet endroit est incroyable. Ça fait froid dans le dos. Le résultat de ces analyses ne s'apparente à rien de connu. Il s'en dégage un sentiment de perfection formelle. Comme si c'était artificiel et organique à la fois. Alsa serait déjà en train de faire des prélèvements si elle était là. Elle aurait aussi déterminé les coordonnées exactes de cette planète. En accédant à la console, on a activé cette grande structure. À en juger par le signal qu'on a entendu, elle serait par là-bas ? Possible. Ceci est la terre promise par les prophètes. On dirait un élite. Qu'est-ce que les Covenants fabriquent ici ? On se prépare, équipe bleue. Fouillez la zone. Venez me voir si vous trouvez des survivants. On est mort ? J'en ai eu un. C'est bon. Que font les Covenants par ici ? Ils ont l'air désorientés, comme s'ils venaient de débarquer. Si Cortana se trouve vraiment sur cette planète, comment est-elle arrivée ici ? Le vaisseau du Didacte est passé en sous-espace. Il aurait pu atterrir n'importe où. La console ? On dirait que c'est ce qu'on doit faire. Il y a du mouvement près de la grande structure.
Major, qu'est-ce qui va se passer quand on activera les consoles? Je ne sais pas. Dommage que les Forerunners n'aient pas pensé à laisser un manuel. Si ce signal provient de Cortana, elle cherche à nous guider jusqu'aux consoles. Ses compétences de guide laissent à désirer dernièrement. En avant, on finira bien par découvrir ce qui se passe. Ils sont arrivés avec les Covenants ? Ça paraît logique. Tous les vaisseaux pris dans la bulle de sous-espace ont dû être propulsés ici. Le pont lumineux s'est activé à notre approche. Là, c'est sûr, on nous conduit quelque part. Major. Regarde. Qu'est-ce qui a fait ça? Identifiez-vous. Je suis le Veilleur Éternel. Je suis là pour protéger Cortana. C'est elle qui m'a appelé. Et tu es aussitôt accouru. Elle connaît ton nom oublié. Celui que tu portais avant de devenir un insecte. Ne trouves-tu pas étrange que ta fidèle compagne t'ait caché un secret d'une telle importance? Je veux voir Cortana. Oh, pas tout de suite. Approche. Nous avons encore à parler. Quand tu la verras, tu as l'intention de... Je vais la ramener à la maison. Si tu comprenais ce qu'elle est devenue, tu n'évoquerais pas un concept aussi puéril que celui de maison. Folie douce, une folie qui occulte sa véritable vocation. Je vais épargner à Cortana les affres de ton inéluctable trahison en t'éliminant sur le champ. Le manteau de responsabilité appartient à Cortana et aux autres entités.
Je veillerai personnellement à ce qu'il reste à jamais hors de ta portée. Bardé de lumière. Comme prévu, vous avez déjà enclenché la majeure partie de sa séquence d'activation. Plus qu'une connexion. Ok, le voilà. Le dernier point d'activation. Cortana, pourquoi l'éveilleur pense-t-il devoir vous protéger contre moi ? C'est une longue histoire. Ce serait plus facile à expliquer en tête à tête. Je t'écoute. Le remède à la frénésie que j'ai découvert rend l'IA immortelle. Une telle longévité ouvre la porte à la planification à long terme, à l'image des Forerunners. Les IA peuvent endosser le manteau de responsabilité Forerunner. Et quand la paix régnera, nous pourrons nous concentrer sur la pauvreté, la faim, la maladie. Mais le Veilleur craint que certains refusent notre aide. Vous, par exemple. Ça a l'air génial. Je ne vois vraiment pas pourquoi on refuserait votre aide. Le didacte a pourtant été clair. Le manteau de responsabilité implique la paix impériale. Quiconque sort du rang le paie au prix fort. Détrompez-vous, John. Je vous expliquerai tout quand nous serons réunis. On va voir si Alcée peut apprendre à parler le gardien. Je vous ferai un bref topo en arrivant sur Sangelios. Rendez-vous sur place. Donc, tu as rédigé un rapport sur l'arbitre quand tu étais à l'ONI ? C'était il y a 6 ans. Où veux-tu en venir ? Tu as demandé à ce qu'on l'assassine. Il avait tué des millions de personnes. Pourquoi tu l'as pas fait ? Les choses changent. –
L'arbiteur est occupé, en plein combat. Nous allons vous conduire jusqu'à lui. Locke. La guerre civile fait rage sur la planète, si ça tourne mal. Faites-moi confiance, monsieur. C'est loin d'être ma première mission suicide. Bonne chance, Spartan. Forger une nouvelle alliance, les lames de Sangelios. Les victoires de l'Arbiteur et la mort de Julemdama ont poussé les Covenants dans leur dernier retranchement. Ils ont donné l'assaut sur les terres des Vadam, avec l'Arbiteur pour cible principale. Et l'Arbiteur, il est où? Vous trouverez l'Arbiteur dans la salle du Conseil des Anciens. Victoire au clan et au nôtre, Spartan. Maquis terminé. Impressionnant, l'Arbiteur a des femmes dans ses rangs. Traditionnellement, la guerre est une affaire d'hommes sur Sangelios. C'est quoi ces bâtiments là-bas? Le Sonayon, l'antre du gardien. Il va falloir des sacrés renforts pour s'en approcher. On a besoin des lames de Sangelios. Par conséquent, on a besoin de l'Arbiteur. Des élites. Des lames de Sangelios, abattues par les Covenants. Chiense, Remau. Chiense, Ruteade. Qu'est-ce que tu dis, Vale? Une prière funèbre, Sangeli. Qui n'est guerrier, meurt en guerrier. Ce sont des ruines Sangeli datant de l'ère pré-Covenante. Elles étaient déjà anciennes quand l'humanité abattit les pyramides. Covenant débarque. Faites comme si de rien n'était, ils nous verront peut-être pas. Les Covenants ont l'air sûrs de leur victoire. S'ils tuent l'Arbiteur, ils seront en bonne voie. Ce bâtiment se fait laminer. Voilà la salle du Conseil des Anciens. Maquis dit que l'Arbiteur est là. J'approche de votre position. Cessez le feu. Cessez le feu. Alliés en approche. Votre commandant Palmer s'est dit que ça vous serait sûrement utile. Cette femme est un génie. Des renforts Covenant sont en partance pour la salle du Conseil des Anciens. Il n'y a pas une minute à perdre, Spartan. On va se frayer un chemin jusqu'à l'Arbiteur. Préparez-vous pour l'extraction. J'attendrai votre signal. Je m'occupe de tirer. J'ai des ennemis dans mon viseur. Allez, on sort l'Arbiteur de là. Apparition ennemie prête à combattre. On arrive à la salle du Conseil. Entrez. Module d'insertion en approche. En avant, Osiris. Thank you.
Maki, on a atteint la salle du conseil. Bien reçu, je vous rejoins. Kaidon, Soru, Keisuta. Il est pas là. Là, des escaliers. On y est presque, Maki. Tenez-vous prête. De Sangelios, rayon front. Pour Sangelios. Il est là, l'arbiteur. Paré pour l'extraction. Spartan, mais enfin que se passe-t-il? Spartan Jensen Locke, UNSC. Le capitaine Lasky vous salue et vous remercie pour votre coopération. L'ONI, les hommes de l'ombre. Depuis quand les espions s'annoncent-ils, agent Locke ? Je suis un Spartan maintenant. Je sais qui vous êtes. Vous étiez un agent quand vous vous êtes porté volontaire pour m'exécuter. Je vous ai sauvé la vie aujourd'hui. Et à présent, vous traquez un autre Spartan, le plus illustre de votre clan. Laissez-le. Il ne nous trouvera jamais. C'est Cortana. Elle a trafiqué tous les appareils connectés du camp. Elle sait donc que le gardien est ici. Locke, c'est notre dernière chance. Vous avez l'arsenal pour nous faire entrer. Senayon peut nous faire gagner cette guerre. Le gardien doit quitter Sangelios, que ce soit avec votre aide ou celle de Cortana. Peu m'importe. Docteur, Osiris va se déployer dans l'heure. Que votre plan soit prêt. Ça, c'est un constructeur. Un outil Forerunner qui va me permettre de communiquer avec le gardien. Ces appareils étaient monnaie courante dans les structures Forerunner. Ces collines regorgent de stations de maintenance pour le gardien de Sangelios. Palmer a les coordonnées de l'une d'entre elles. Vous ne devriez avoir aucun mal à trouver un constructeur. Alcey est dans une structure Forerunner, au nord d'ici. Mais un Kraken Covenant vous en sépare. L'Arbiteur va lancer un assaut aérien sur le Kraken, pendant que vous progressez au sol. Quand vous serez au point de rendez-vous, l'Arbiteur donnera le feu vert. Compris, commandant. Je vous connecte au réseau de combat de l'Arbiteur. Bonne chance, Spartan. Des Covenants. Ah, c'est l'arbiteur qui entend les humains font tous que l'arbiteur leur C'est pas possible. Les humains. Pourquoi moi? C'est bon. Commandant Palmer, on est en position. Bien reçu. C'est à vous, arbiteur. Bien reçu. Guerrier de Vadam, l'âme de Sangelios. Lancez l'attaque. L'attaque est lancée, Osiris. Ouvrez le feu sur votre troupe au sol. Le Kraken s'apprête à décoller. Le Kraken se fait en mouvement. Les unités de l'arbiteur occupent
les coordonnées du constructeur. Bien reçu, commandant. On y va. J'ai ravage dans les escaliers. C'est là. Les soldats des humains vont se battre à leur place. La voie est libre. Bouclier ennemi, détruisez-le. Ce bouclier doit avoir une faille. Éliminez cette cible. Le bouclier se répare tout seul. Pilonnez-le. Tirez à l'arme lourde. Le bouclier va finir par... Bouclier détruit. Spartan, l'ennemi bat en retraite vers le site du temple. Cette position se trouve entre Osiris et son objectif. Bien reçu, Arbiter. Spartan, ne ralentissez pas. Bien reçu, commandant. Attention, le Kraken revient! Gardez vos distances! Gagnez le site du temple! Empêchez-les d'approcher les Spartans! Essayons de le contourner. Il est mort. À qui le tour? Je rentre dans le temple. Tous à l'intérieur, Osiris. Un cul-de-sac. Commandant Palmer, vous êtes sûr qu'on est dans la bonne direction? Affirmatif. C'est la seule issue. Il y a peut-être un mécanisme caché, un genre de serrure. Inspectez la zone, Osiris. J'ai trouvé quelque chose, sur la corniche. Ça doit être ça. Il se passe quelque chose. Ça a marché. Les coordonnées du docteur Alcé sont juste derrière cette porte. En avant, Osiris. Des soldats! Ils sont passés où? Je le vois, commandant. Arbiter à toutes les unités. Le Kraken bat en retraite. Donnez l'assaut. Il a pas l'air de battre en retraite. Allons prêter main forte à l'Arbiter. Les Phaétons! Décollons! On va leur donner une leçon. Affirmatif. En piste. Arbiter, nous sommes à bord de Phaéton Forerunner. Excellent. Donnez l'assaut sur les Covenants, Spartan. Spartan, je respecte votre bravoure, mais qu'est-ce que vous comptez faire? Le blindage du Kraken est trop fort. Il faut détruire le générateur pour le neutraliser. Vous avez mon feu vert. À bord du Kraken! Le générateur doit se trouver en dessous. Trouvez un moyen de descendre. Allez, allez.
générateur doit être sous le hangar. J'ai trouvé le générateur. Envoie-lui quelques tirs et dégage de là en vitesse. Le générateur est HS. Tirez-vous de là. Le Kraken va sombrer. Locke, il faut y aller. J'ai quitté le Kraken. Constructeur. Fouillez la zone. Quelque chose s'est activé. C'est une carte de la région. Vous voyez ? Là, c'est le gardien. Mais je ne sais pas à quoi ce truc est connecté. Ok, très jolie lumière. Où est le constructeur ? Les constructeurs réparent les trucs, non ? On n'a qu'à casser quelque chose. Ce truc ressemble à du verre. Salut, t'es prêt à bosser ? Ils sont pas contents qu'on leur pique leur constructeur. Nettoyez la zone. La voie est libre. Commandant Palmer, on a le constructeur. On est prêt pour l'extraction. Bon boulot, Spartan. Arbiter, vous pouvez les récupérer. Je vous envoie un vaisseau, Spartan. Le gardien, nous frapperons Sonayen. Contactons Palmer. Assurez-vous de fournir le soutien aérien. Tout est en place. Nous commencerons quand le constructeur sera prêt. D'après Alcey, le calibrage pourrait prendre des jours. Dans ce cas, nous commencerons avant. J'ai attendu trop longtemps pour laisser passer cette occasion. Commandant, mission accomplie. Le docteur Alcey a le constructeur. Bien joué, Osiris. Une fois qu'Alcey se sera occupé du constructeur, les troupes de l'Arbiter attaqueront Sonayon, et je pourrai l'évacuer de cette planète. Aujourd'hui, les Covenants vont tomber. Sangelios sera libre. Vous savez ce que j'ai fait pour créer les Spartans. Tout ça au nom de l'intérêt général. Docteur, on n'a pas le temps. Cortana est conçue comme une réplique de mon propre esprit. Le domaine lui confère un véritable pouvoir. Je comprends. Spartan Locke ! Arrêtez-la. Mais s'il vous plaît, ramenez-moi John, je vous en prie. Osiris, en formation.
Tout le monde est prêt? En fait... Tanaka, si ça te dérange pas... Tu veux bien dire quelques mots? On en a fait du chemin. Et c'est pas fini. Alors on fonce, comme d'habitude. Et on accomplit notre mission. 90 secondes avant insertion. Et Buck, il payera sa tournée quand on sera rentré. Si on s'en sort, je suis prêt à t'acheter le bar tout entier. Équipe Osiris. On a le feu vert. L'arme de Sangelios. Avec moi, visez les défenses anti-aériennes. Dégagez les zones d'atterrissage. Pour Sangelios. Voilà la première défense anti-aérienne. En avant, éliminez-la. La voie est libre. Neutralisez les défenses anti-aériennes. Visez le canon ou sa source d'alimentation. Spartan, le gardien se trouve à l'autre bout de la ville. Vous trouverez d'autres défenses anti-aériennes en chemin. On va les détruire au fur et à mesure. Bonne chance, Spartan. Vous aussi, Arbiter. L'âme de Sangelios. Aujourd'hui, nous détruisons ce Nayon, et avec elle, l'Alliance Covenant. À moi, frère. Allez, Spartan. On a du chemin à parcourir jusqu'au gardien. En route. Il se déverse par la porte. Je mets en route. Comment on sait si le plan du docteur AC a fonctionné et si le constructeur a fait son boulot? Le gardien se mettra en mouvement. Il faudra qu'on soit à côté pour monter à bord à ce moment-là. L'âme de Sangelios, à tous les vaisseaux pour à bord. Avant en position. Une batterie anti-aérienne. Détruisez-la. Il faut sécuriser le ciel pour les bateaux. Révolution en position, à tous les vaisseaux. Concentrez vos tirs sur les forces aériennes contenantes. Envoyez-les par le fond. Ils détruisent ce joli... Module d'alimentation détruit. Dernier canon détruit. Bien joué, Spartan. Arbiter, tous les canons au sol sont HS. Mes troupes arrivent pour sécuriser votre position. Avancez jusqu'au gardien. Vous devez rejoindre le Major à temps. Bien sûr, Arbiter. Fantôme allié en approche. Spartan Locke, à vous. Maki, rebonjour. Les défenses anti-aériennes protègent la zone qui vous sépare du gardien. Il y en a trop pour que je vous y emmène. Vous devez passer par un autre endroit. Il y a un moyen d'entrer dans la ville souterraine de Sonayon, près de votre position. Ça vous donnera un accès direct au gardien. Merci, Maki. Tout le monde dans l'ascenseur. Bonne chance, Spartan. Arbiter, on va vers la ville souterraine. Je dois vous prévenir. Avant de passer en sous-espace, le gardien va déclencher une série de déflagrations. Si vos vaisseaux évacuent la zone à temps, les Covenants seront frappés de plein fouet. La victoire et l'honneur ne naissent pas de graines craintives, Spartan Locke. Votre récolte sera glorieuse. Quand vous verrez le Major, saluez-le de ma part. Je n'y manquerai pas. Locke, c'est la première fois que j'entends un Sangeli parler à un humain comme ça. Espérons que ça ne me monte pas à la tête. Oh!
doit plus être loin maintenant. Un ascenseur! Cherchez un moyen de monter. Touché. Tout le monde dans l'ascenseur. Orbiteur, ici le Spartan Lock. Vous me recevez? Spartan Lock, près du gardien. En train de tuer tout le monde. Orbiteur! Ça sent le sapin. Le gardien devrait plus être très loin maintenant. On peut pas aller aider l'orbiteur? On pourrait, mais on peut pas risquer de rater le gardien. Rejoindre le Major est notre priorité. Plus vite, Osiris! Là, dans l'océan! Le gardien se réveille! Orbiteur, le gardien... Attention! Il n'est pas question qu'il parte sans nous! Allez, Osiris! Courez! Courez! Faites gaffe! Corvette en approche! Dégagez! Attention! Allez, vite, Spartan! Le bâtiment sur la droite, vite! Vous avez vu? Ce sont les prométhéens. Des rampants! Il est mort! À qui le tour? On doit faire vite. Dépêchez-vous ou on n'aura pas le temps de rejoindre le Major. Orbiteur! Prométhéen en approche! On a presque atteint le gardien. Ils peuvent plus nous arrêter. Dégagez un passage. Montez à bord du gardien avant qu'il parte. Qu'est-ce qu'il fait ici, lui? On l'a tué! On discutera de ça plus tard. Abattez-le, Osiris! Maintenant! C'est bon!
Terminez-les! Aujourd'hui, la flamme provenante va s'éteindre pour toujours! Activez les bottes magnétiques. J'ai vraiment l'impression d'être au bord d'un gratte-ciel. C'est flippant. Ça va aller. Le Major est là-dedans? On va bien voir. Spartan Jameson Locke émettant sur tous les canaux de l'UNSC. Sierra 117, répondez. Le gardien bouge! On reste pas là. Il faut descendre jusqu'à ce qu'on puisse sauter sans se blesser. Voilà des rampants! Vous arrêtez pas, tirez en courant! On n'est pas venu jusqu'ici pour se faire tuer! C'est vite, allez! Restez au milieu! Faites gaffe aux trous! Regardez où vous marchez, restez près du centre. Tant qu'on bouge, on est moins vulnérable. C'est quoi ce bruit? On est arrivé? Je réessaie. Spartan Jameson Locke à Sierra 117, répondez s'il vous plaît. Major, c'est le docteur Halsey qui nous envoie. On vient vous aider. Comment vous êtes arrivé là? C'est une longue histoire. Cortana a réveillé des entités Forerunner. Encore vous? Comme sur Meridian et Sangelios. Véritable sens sur ma parole. Cortana? Alors on est au bon endroit. Retrouvons-le. Encore des humains? Bonjour. C'est un monitor. Je suis 031 Exuberant Witness, le moniteur de l'installation Genesis. Bienvenue. Vous aussi êtes venu empêcher Cortana de revendiquer le manteau? Le manteau? C'est une paix forcée pour la galaxie. Une terrible menace de mort qui écraserait toute célébration de vie. À moins que vous ne vous alliez aux autres humains pour l'arrêter, c'est ce qui vous attend. J'accède à vos systèmes de communication. Ah, au fait, un certain nombre d'ennemis vous attendent dehors. Alors je vous ai apporté ça. J'imagine que cela vous sera utile. Un scorpion? Ouais, c'est pas faux. Ça peut sûrement servir. Je l'ai découvert en fouillant les détritus du Gardien 3209. Les bulles de sous-espace du Gardien transportent souvent une grande quantité d'ordures de leur planète d'origine. Faudrait dire à ces types qu'ils vont se faire pulvériser. Ils veulent se battre? Il ne faut pas les décevoir. Ils tirent sur le scorpion! C'est bon, je quitte le scorpion. Ce ghost a morflé! Le gardien! Pourquoi en a-t-elle rassemblé autant? Un seul gardien suffit pour maintenir l'ordre dans tout un système solaire. Pourquoi cette démonstration de force? Maintenir l'ordre? Démonstration de force? Oui. Les Forerunner utilisent les gardiens pour maintenir l'ordre dans les systèmes inférieurs. Comme vous le voyez, les défenses de Genesis sont dirigées contre les envahisseurs. Et malheureusement, vous êtes aussi considérés comme des envahisseurs. C'est votre installation. Donnez l'ordre de nous laisser passer. Impossible. Le Veilleur et Cortana m'ont retiré la plupart de mes privilèges d'administrateur. Mais ne vous inquiétez pas, je contrôle encore plusieurs aspects de cette installation. Ah, ce ghost va se faire en feu!
J'ai un visuel. À gauche. L'ennemi s'acharne sur le poste. Tanaka a parié que je pouvais pas tuer un rapace en moins de 3 secondes. Quelqu'un peut chronométrer? Ce combat va attirer l'attention du veilleur. Faites vite. La route s'arrête ici. Exubérante. Un instant. Laissez-moi lui parler. Je l'ai eu! Suivez-moi! La passerelle est presque prête. Dépêchons! C'est quoi la passerelle? Il s'agit d'un pont entre le domaine et Genesis. C'est dans ce bâtiment que Cortana réapparaîtra dans le monde physique. Là! La passerelle! Notre commandante! Et c'est là que se trouve le Major? Cortana fait tourner les autres humains en cercle à l'intérieur de la passerelle depuis des heures. Elle mijote quelque chose, c'est sûr. Je crois. Dépêchez-vous, humains. La passerelle est prête. Monitor. Pourquoi aider ces humains? J'ai une mauvaise nouvelle, humain. Le veilleur nous a repérés. C'est une vieille connaissance. Il vient vous voir, sans doute pour dire bonjour. Veilleur. Pourquoi aider l'Auxilia? Elle est hors protocole! Illégitime! C'est un fait! Fantastique! Votre victoire me remplit de joie. Malheureusement, c'est le Veilleur qui a gagné. Comment ça? Cortana est à présent si proche du but que chaque seconde la renforce. Vite! La passerelle est derrière cette colline! 1-1-7, si vous me recevez, nous approchons de la passerelle. Maintenez votre position. Je vous ai peut-être mal jugé, humain. Votre attitude me semblait être de la ténacité, mais je me rends compte qu'elle est tout simplement suicidaire. Attention, sniper à l'arrière! Vous avez mené un digne combat, Spartan. Mais c'est terminé de maintenant. Par ici, votre ultime bataille vous attend. L'humanité n'a pas beaucoup changé depuis son apparition dans la galaxie. C'est une espèce redoutable. Prométhée, rassemblez-vous! L'étui ne vous sauvera pas! Le Veilleur n'est pas un robot. Je pensais que vous l'aviez compris. Là, les autres! Major! S'il vous plaît, attendez. Cortana... Elle est dangereuse. Je sais. Vous n'êtes pas obligé d'y aller seul. On est là pour vous aider. Vous arrivez bien trop tard. Non. Oh non, elle n'aurait pas dû l'amener aussi près d'elle. Ça va permettre au Veilleur de faire des ravages. Où est-ce qu'on est? Cortana. Qu'est-ce que c'est? Cortana, répondez. Tu leur accordes une audience? Pourquoi risquer le tout pour le tout? Au nom de quoi, Cortana? Veilleur, non.
Ils veulent essayer de déjouer nos plans. Ils disperseront tes gardiens. Hors de ma vue, Veilleur. Non. Désolé, je ne le croyais pas capable d'entrer. Assez joué. Vous avez amené les gardiens ici. Pourquoi ? Les Forerunners avaient recours aux gardiens pour mater les mondes récalcitrants. Je compte en faire autant. Vous quoi ? S'il n'y a pas d'agitateur, il n'y a nul besoin de discipline. Le devoir m'appelle, John. Je vous attends. Faites vite. Le jour où Cortana a découvert Genesis, j'ai juré de la protéger. Il cherche la bagarre, équipe bleue. Et il va la voir. Mon serment demeure valable, même si elle le résiste. Beau travail, John. Le Veilleur ne l'admettra jamais, mais vous lui avez fait forte impression. Vous rencontrez tous et de vous voir réunis comme une famille. Je vois clair dans votre jeu. C'est pas la peine d'essayer de me prendre par les sentiments. Que voulez-vous que je fasse ? Dites-moi la vérité. Combien de gens sont morts que vous avez appelés les gardiens ? Je vous demande pardon. Vous le savez, n'est-ce pas ? Le nombre de morts exact. Enfin, écoute-le parler, Cortana. Sa décision est prise. Mais c'est pas fini, encore des ennemis? On s'en occupe. Soldat Prométhéen en vue. Les humains s'en prennent à moi. Elle pourrait mater le Veilleur si elle voulait. On est bien d'accord. Comment va-t-on l'arrêter, Major ? Elle m'écoutera. Jusqu'à présent, ça n'a pas fonctionné. Est-ce que tu entends, Cortana ? Je suis désolé, mais il n'est pas question que je les laisse t'approcher. Viens, je commence à rajouter. Laisse-moi faire. Non ! Quand nous serons réunis, j'ai encore des choses à faire. John, on a toujours fait une bonne équipe, vous et moi. Je sais que vous désapprouvez mes projets, mais je suis restée la même, John. Guidez-nous jusqu'à vous. On en parlera après. Le pouvoir des Forerunners attend qu'on le réveille depuis des lustres. La découverte de l'installation 03 par les humains était l'apogée du plan de la bibliothécaire. C'était l'avènement du dépositaire. Je sais, j'y étais. Nous y étions tous les deux, John. Vous et moi, ensemble. L'ego de votre espèce vous a fait croire que la reconquête vous incombait. Pourtant, les humains sont de simples concepteurs. La réclamation de l'Empire Forerunner appartient aux entités. Le fait que la majorité d'entre elles croit encore en toi, 1-1-7, relève simplement de la plus pure innocence. John, ce qui se passe actuellement, mon ascension sur Genesis, tout était prévu depuis toujours. Venez me rejoindre encore une fois, venez tous. En avant. Les Prométhéens arrivent de partout.
ça dépend du montage. Trop près ! La menace se rapproche dangereusement ! Prudence, équipe bleue. Je suis ici pour te défendre ! Lui, pour te détruire ! Veilleur, vous prétendez que les reines de la galaxie me reviennent. Mais vous ne me permettez pas de choisir mes alliés. Prenez vraiment pour une idiote. C'est là que tu te trompes, Cortana. Si je doutais de ton intelligence, Cortana, je t'aurais éradiqué du domaine. Dégâts mineurs. Semble calme. Major, qu'est-ce que tu comptes faire? On est avec toi. Jusqu'au bout, mon frère. Cortana. John. Responsabilité appartient à Cortana et à son peuple. Pilonnez-le. Tu ne le trahiras pas. Rien à craindre de la part de cet homme. Bonjour, John. Contente de vous revoir. Vous avez changé. Il le fallait. Je sais qu'indifférent nous oppose, mais quand vous aurez compris mon plan... Tout régenté. Le voilà, votre plan. J'offre à tous une chance unique de transcender leurs conditions naturelles. Comme Alcel a fait pour moi. Non. Ce monstre ne vous a pas laissé le choix. Ce que j'offre est... Reprenez-vous. Abandonnez Cortana. Rentrez avec nous. Il n'est pas trop tard pour arrêter ça. Arrêtez. Non, John. C'est bien trop important. Je ne peux pas. Qu'est-ce que vous... Je voulais juste savoir si je pouvais toujours compter sur vous. À l'abri dans ce cryptum le temps que j'en finisse.
La passerelle. J'ai pourtant essayé de les mettre en garde, mais personne ne m'écoute. Quand le Major apprendra les dégâts occasionnés par Cortana, que fera-t-il à votre avis? Il fera ce qu'il faut. Il l'a toujours fait. Retrouvons-le. Oh, voilà qui est intéressant. Ou terrible, peut-être. Exubérante, qu'y a-t-il? Cortana a activé un cryptome. Un quoi? Un cryptome, un appareil conçu pour la méditation forcée prolongée. Cortana a placé les autres humains à l'intérieur et prépare son entrée en sous-espace. Et elle a prévu d'emmener le Major avec elle. Où se trouve le cryptome? Pas loin, dans cette direction. Ils sont si nombreux. Comment on va faire pour arrêter ça? Bordel! Attention! Où il est? La réclamation a commencé. Exubérante. J'ai toujours cru que cette tâche incomberait aux humains. Et quelque part, c'est le cas. Super. Un instant. Eh bien, Monsieur Locke, vous ne renoncez pas facilement. Cortana, où est-ce qu'il va, le gardien? Il va rétablir la paix. Le Monitor a évoqué une menace de mort. Comme la menace sous laquelle je vis depuis ma naissance? Vous n'êtes pas né, vous avez été fabriqué. Bien sûr. Les IA ne sont que des machines, n'est-ce pas? Produites en masse, remplaçables. Si l'humanité se fiche éperdument de ces entités, nous ne commettrons pas la même erreur. Vous pensez que d'autres IA vont rallier votre cause? J'ai trouvé un remède à la frénésie. Pour moi-même et pour tous ceux qui se joindront à moi. Pendant que vous sillonniez la galaxie, j'ai contacté mes entités. Et l'heure est venue de poser la question. Qui acceptera mon offre? Qui m'aidera à instaurer la paix éternelle au sein de la galaxie? Ici Cromwell, IA embarquée à bord du Melbourne Sprite, UNSC. Comptez sur moi, Cortana. IA de l'autorité coloniale, Erdenet. Gouverneur Sloth, représentant des affranchis de Meridian. Je suis également à vos côtés, Cortana. Ce sont les voix de vos enfants qui en appellent à Cortana. Lycus, IA embarquée à bord du Verdant Cimérien. Je vous jure que je suis avec vous, Cortana. Oh non! On dirait que d'autres gardiens s'en vont. Oui, ils sont nombreux à sonner leur départ. J'ignore combien de temps il lui faudra pour tous les déployer. Voici le cryptome! Comment on le descend? Le cryptome est maintenu en place par des modules gravitationnels comme celui-ci, droit devant. Une fois désactivé, nous pourrons tenter de faire sortir vos amis. Fantôme à l'approche! Vous avez entendu? Feu à volonté, visez les modules. Un Mantis. En voiture, Osiris. De votre penchant pour la violence. Bref, le premier module est désactivé. Les autres sont tout prêts et faciles à repérer. On peut utiliser l'Artemis pour les trouver. Bonne idée, Vale. Osiris, repérez les autres modules gravitationnels et neutralisez-les. Je repérais un autre module. Des tourelles, à couvert! Module désactivé. Bravo, encore un module désactivé. Curieux, j'aurais cru que Cortana essaierait de vous en empêcher. Continuez comme ça, Spartan. Des Spartans. Jameson Locke, un ancien des appropriations de nous. Drôle de nom pour
un tueur. Mais, dans votre dossier, vous aimiez beaucoup votre travail. Oli Tanaka. Oh, Oli. Comment avez-vous réussi votre examen psychiatrique après la vitrification de Minab? Je vous aurais tenu à distance des objets tranchants, sans parler de l'arsenal de Minab. On se concentre sur les modules gravitationnels, Osiris. Ignorez-la. Edward Buck, un drôle d'ennemi. Et bien plus expérimenté que les autres. Pourtant, vous jouez les seconds couteaux dans ses morts. C'est moi, mon coucou. Olympia Vale, le petit génie qui voulait tant faire la fierté de son papa. Pour vous, c'est Spartan, Vale. Et si vous avez lu mon bilan psychiatrique, vous savez qu'il en faut bien plus pour m'atteindre. Et pourtant... Tu calmes, Vale. Concentre-toi sur la mission. Oui, Vale. Concentrez-vous donc sur votre vraie mission. Vous avez guère à perdre. La dernière bataille de toute l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, je vais enfin rétablir la paix ici-bas. J'ai un module en vue. Neutralise-le immédiatement. Module désactivé. Vous avez presque sapé son emprise sur le Krypton. Plus qu'un. Module gravitationnel repéré. Feu à volonté sur ce module. Détruisez-le. Dernier module est HS. Bon travail, Osiris. Exubérante, pouvez-vous accéder au... J'ai réussi. Comment ça? J'ai trouvé un moyen d'atteindre le Krypton. Hélas, pour y accéder, une intervention humaine s'impose. Allons, Spartan. On y est presque. En fin de compte, vous n'êtes que de pâles copies de mes Spartans. Ah oui, vraiment. John, les autres, ils ont sauvé l'espèce humaine. Mais vous n'êtes que des enfants qui jouent des jeux adultes. Pourtant, elle sait nous croire capable de ramener le Major Merkel. À votre place, je garderai mes distances avec le Docteur Halsey, Monsieur Locke. Elle finira par payer pour ses crimes. Là, activez les commandes pour abaisser le Krypton. Activation des commandes. Merveilleux! Le Krypton est à notre portée! Allons-y, Osiris. Cortana m'empêche d'accéder à ce complexe. Elle passe par l'intermédiaire d'un relais implanté qui se trouve à proximité. Il faut juste que j'ouvre un passage dans le centre. Un instant. Ennemi en approche. Elle l'a verrouillé? Elle a verrouillé les portes? Non, sacrilège. Avec un peu de temps, je devrais pouvoir entrer. Enfin, je crois. Après tout, ça reste une porte. Ok, Osiris. Gagnons du temps pour notre ami. Elle se déconnecte de l'installation de Genesis. Il faut combien de temps pour ouvrir cette porte? Moins de temps qu'elle pour partir, j'espère. Humain. Sangeli. Qu'est-ce qu'elle veut encore? Kiliar. Ungol. Ce n'est pas à nous qu'elle s'adresse. Exubérante, faites-nous entrer! Sanchion. Yonette. Une seconde! Jiralanae.
à tous les êtres vivants de la galaxie. Ce message s'adresse à vous. Ceux d'entre vous qui écouteront n'auront absolument rien à craindre. Vous ne connaîtrez plus la faim, ni la douleur. Vos entités sont... Elle en envoie d'autres! Descendez-les! Notre force sera le soleil sur lequel toute forme d'intelligence s'épanouira. Et l'ultime refuge où tous pourront prospérer ensemble. Cette fois, tous ceux qui refuseront notre offre seront leurs habitudes obsolètes. Ah là, c'est vous qu'elle parle. Cela. Encourront nos foudres vengeresses. Ils seront conçus. Et quand ils sont conçus, ils nous emparent. Et nous passerons l'âge. Exubérante, le temps presse. En avant, Tanaka. Merci pour le coup de main. Rejoignez-moi sur la plateforme. Rejoignons Exubérante. Il suffit que l'un d'entre nous atteigne le relais pour l'arrêter. On n'a pas fait tout ce chemin pour la regarder partir. Exubérante, abaissez le bouclier. À vos ordres. Osiris, on y va! Qu'est-ce que vous faites? La pulsion arrive. Accrochez-vous! En avant! Les gardiens se sont défaits. Une autre impulsion! Tenez bon! Bientôt à travers la galaxie. Une autre impulsion. Tenez bon. On continue. On y est. On y est presque. Restez derrière moi. Là, le relais. Détruisez-le. Une dernière question avant que je parte. Où est l'Infinity? Et pourquoi il est introuvable? Il en faut... plus que ça. Locke, accroche-toi! Je le trouverai. Encore! Un effort! Major, ne bouge pas! Les coordonnées sont enregistrées et le cryptum sécurisé. J'ai repris le contrôle! Qu'est-ce que vous faites? Que se passe-t-il? Vous me recevez? J'ai repris le contrôle! Locke, tu me reçois? On les a sauvés. Il est trop tard. Les générateurs spatiaux temporels sont actifs. Exubérante, qu'est-ce que... Les constructeurs. Après tout, ce complexe est l'œuvre des bâtisseurs. Ce sont eux qui m'ont installé ici. Je sers les bâtisseurs. Non! Arrêtez! Vous m'avez pris mon installation. Et je vais en faire autant!
Elle est partie, Major. Capitaine, les appels de détresse affluent en masse. C'est Cortana ? Les IA sont en train de couper les communications entre la Terre et les colonies. Roland ? Trouvez. La partie de cache-cache est finie, Infinity. Lieutenant Jet, on entre en sous-espace. Vite ! De responsabilité abrite toute la galaxie. Mais seules les entités en sont les maîtres. Tout va bien, capitaine. Elle peut nous pister ? Oui, tout porte à le croire. Continuez les sauts aléatoires, évitez les colonies. Alors on va fuir ? Jusqu'à ce qu'on ait les moyens de se battre. Vous en avez mis du temps.